Coucou les amis, aujourd'hui je vous propose de fabriquer une maracas. Une maracas en forme de berlingot. Allez, c'est parti! C'est parti pour fabriquer cette petite maracas en forme de berlingot. Il nous faut une feuille blanche, un rouleau de papier toilette, une paire de ciseaux, des feutres, une colle bâton, une feuille de brouillon et bien évidemment des petites graines. Moi j'ai utilisé des lentilles, mais ça marche aussi avec de la semoule ou du riz. Prenez votre feuille blanche et mettez-la à la verticale devant vous. Vous allez prendre votre rouleau de papier toilette, vous allez le poser sur votre feuille et vous allez laisser à peu près 1 cm sous le rouleau de papier toilette. Vous allez attraper votre feuille et votre rouleau et vous allez découper à peu près, vous laissez à peu près 1 cm également en haut. Vous prenez votre temps, on essaie que ce soit à peu près droit. Ensuite, vous allez enrouler votre feuille autour de votre rouleau de papier toilette pour découper et enlever le surplus de feuilles. L'idée, c'est que la feuille du dessus se chevauche sur la feuille d'en dessous, à peu près 1 cm, on va dire également. Donc, vous obtenez votre petite feuille pour enrouler votre rouleau. Donc là, c'est le moment de faire votre petit dessin. On ne se met pas trop sur les bords. Une fois que votre dessin est fini, vous allez prendre votre colle et vous allez mettre de la colle sur votre papier. Volontairement, vous n'allez pas badigeonner tout le rouleau de papier toilette. Vous allez juste en fait faire des allers-retours, toujours au même endroit, parce qu'en fait on veut qu'il y ait beaucoup de colle juste ici. Voilà. Vous allez placer votre feuille au bord. Vous laissez 1 cm à droite, 1 cm à gauche. On met le papier à peu près droit. On appuie bien. Pourquoi on ne veut pas qu'il y ait de la colle partout? Parce que sinon ça gondole. Vous allez rouler votre feuille autour du rouleau. Là, vous allez prendre votre feuille de brouillon. Et vous allez badigeonner sur le bord de la feuille que vous allez coller. On serre bien. Et on appuie. Vous allez appuyer sur votre rouleau, sur le bout du rouleau de papier toilette. Vous allez volontairement mettre votre jointure devant vous, en fait, à peu près au milieu. Ensuite, vous appuyez, vous marquez bien les plis là, un pli, un deuxième. Vous appuyez aussi sur le papier et vos plis, une fois qu'ils sont marqués, là vous allez prendre vos ciseaux pour couper en fait sur vos plis qui étaient marqués. Vous vous arrêtez au rouleau de papier toilette. Vous faites l'autre côté. Là où il y a la jointure, vous allez plier votre papier vers l'intérieur dans le rouleau de papier toilette. Voilà. Ici, vous allez mettre de la colle. Vous gardez votre feuille de brouillon et vous mettez de la colle. Toujours le même principe. Hein. Et on replie bien et on appuie. Et voilà, ça suffit. Normalement, si vous avez mis assez de colle, voilà. Vous mettez vos petites graines. Donc moi, ce sont des lentilles. Maintenant, vous allez mettre votre pliure à la verticale devant vous pour que, en fait, votre forme de berlingot se crée. Et vous allez appuyer, pareil, le même principe que tout à l'heure,
On marque bien les plis sur le rouleau de papier toilette et sur la feuille qui dépasse. Même principe que tout à l'heure. On coupe sur les plis et on s'arrête au rouleau de papier toilette. Hop, comme tout à l'heure. On met le papier sur l'intérieur du rouleau de papier toilette. On met la colle. Et voilà, le tour est joué. Votre maracas est fini. Après, si vous voulez rajouter de la déco, il n'est pas trop tard. Hein. Hop. Et voilà. Voilà les amis, vous savez tout, vous pouvez fabriquer vos maracas. Moi j'ai mis des lentilles dans celle-ci, mais j'en ai fait une aussi avec de la semoule et une autre avec du riz. Et ce qui est sympa, c'est que le son est différent. Bah, amusez-vous, montrez-moi vos créations et moi je vous dis à très bientôt.